Le bilan de la droite sur le droit des femmes ces dernières années, c'est de ne pas avoir appliqué notamment l'égalité salariale entre hommes et femmes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont fait évoluer la loi à un moment donné, mais ils ne l'ont pas fait appliquer. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que François Hollande, notre candidat, se soit engagé justement dans un terme extrêmement court à ce que toutes les entreprises puissent appliquer cette égalité qui est fondamentale sur le plan professionnel. Je pense qu'il faut agir sur les préjugés, agir sur l'éducation des plus jeunes pour justement ne pas reproduire les schémas qui aujourd'hui malheureusement conduisent à beaucoup de violence encore à l'égard des femmes.